Thank you for giving me this great opportunity to say goodbye to you all. Actually, I've been thinking of this moment for a long time, what kind of memorable moment I can keep when I say goodbye. And my two beautiful colleagues, Evelyn and Roger, they recommended me to speak in French. So if you don't mind, I bother you wearing headset. I've been always wishing to have perfect English, but as you know, English is not my mother tongue. Always I made errors. So today, see our interpreters. It's fine. I want to say in French. Au début, c'était vraiment difficile de vivre en France, travailler chez l'OCDE. Je suis venu ici exactement il y a 3 ans. J'ai commencé mon travail avec la Réunion. Je finis mon travail aujourd'hui avec la Réunion. Demain, je vais quitter la France. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer mon nouveau travail. Même si maintenant je ne sais pas quel travail je dois faire, mais en tout cas, je vais commencer mon travail à partir de lundi prochain. C'est vraiment triste, mais c'est le système en Corée. La vie est très très dure. Si vous voudriez me chercher chez Kishore, oubliez le nom de mon nom de famille, Kim, K-I-M, parce que si vous cherchez quelqu'un avec le nom de Kim chez Kishore, au moins il y a 100 personnes. Ou de 500 employés. C'est pour ça aujourd'hui, je voudrais mettre accent sur mon prénom, Don Yang. Yang comme les jeunes, Yang même, YMCU. Comme vous prononcez le nom Koya, il faut que vous articuliez exactement. Donc, Yang. Sinon, personne ne comprend. mon souvenir ici en France sera éternel. Je vous remercie. Dernièrement, je voudrais exprimer ma gratitude avec la façon Kwe-en. 감사합니다.